des experts comptables formés sur les notions liées à la taxe sur la valeur ajoutée. L'initiative est de l'Institut panafricain professionnel comptable. Elle a pour objectif de permettre aux comptables de maîtriser les concepts de la TVA. Frédéric Oulaye, Didier Nguessan. Améliorer les recettes fiscales de l'État, un objectif qui passe par la maîtrise des contenus de modules tels que le régime de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, le traitement de la subvention, d'où le séminaire de formation des agents de la comptabilité. Nous pensons qu'au niveau d'une économie moderne, la TVA est un impôt suffisamment important parce qu'il touche tout le monde, il touche toute la population du pays, que ce soit le simple consommateur, que tous les opérateurs, toute la chaîne des producteurs de richesses est concernée par la TVA. Donc nous avons jugé opportun de commencer par cet impôt qui, heureusement dans sa conception, ne doit pas venir gréver les coûts. Environ 20 experts en TVA repartis dans les secteurs de l'audit, de la fiscalité, de la juridiction prennent part à cette formation de mise à niveau. Pour les participants, il s'agit de booster la chaîne des producteurs de richesses. C'est une formation qui nous permet, pour nous les professionnels de la comptabilité et de la fiscalité, de faire une revue, une mise à niveau des modalités, des principes de perception, de collecte, de déduction et de reversement de la TVA à l'administration fiscale. Parce que pour nous, l'intérêt, c'est de calculer le juste impôt. L'Institut panafricain des professionnels comptables, initiateur de ce séminaire à l'endroit de ses membres, veut leur insuffler le dynamisme et la compétitivité pour une économie moderne.